Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. Alors, je vous retrouve pour un unboxing un peu particulier avec mon partenaire Biggest Craft. Le 3 mai, ils m'ont contacté pour refaire une coopération et puis en me demandant si je voulais rechoisir des produits. Donc, je dis oui, pas de souci. Par contre, j'ai une petite idée en tête pour quelque chose. Donc je leur ai demandé si c'était possible de faire d'avoir qu'un seul produit, mais de faire une image personnalisée. Donc ils m'ont répondu qu'il n'y avait pas du tout de souci là-dessus, que par contre, fallait pas que je m'inquiète parce que ça prend un peu plus de temps. Faut compter à peu près une quinzaine de jours pour fabriquer le produit, puis bon, bah faut encore compter une quinzaine de jours pour l'expédition, hein. Enfin, 10-15 jours pour l'expédition. Donc il faut compter à peu près un mois. Voilà, donc franchement, je ne m'attendais pas à recevoir le colis aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 24 mai. Donc, Biggest Craft m'avait confirmé le 5 mai. Ouais, c'est ça, le 5 mai, et on est le 24. Voilà, ça a mis 19 jours. je suis super surprise parce que je vous garantis que je ne m'attendais pas à avoir ça avant. Allez, on va dire la toute fin du mois de mai, peut-être les quelques premiers jours du mois de juin. Donc, tant mieux. Alors, je sors tout ça de l'emballage pour éviter que ça fasse un boucan d'enfer et je vous retrouve. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un point de croix, bien entendu. Biggest Craft ne fait pas de diamond painting ou tous ces trucs-là. Hein. Donc, je sors ça de l'emballage et je reviens. Alors, pour mes petits abonnés qui suivent ma progression dans mes activités créatives, vous avez dû voir il y a peu de temps là que en fait je suis en train de faire du point de croix avec mes chats. Donc je suis en train de faire Pupus, je suis en train de faire Plume, je suis en train de faire une demoiselle un peu siamoise qui ressemble à mon petit Mao. Voilà, parce que bon, j'aurais pu faire Mao aussi en personnalisé, mais là, la toile, j'avais trop craqué dessus. Et en fait, il me manque souris. Donc, souris, c'est ma grise. Voilà. Hop. Ma chouchou. Hop, c'est flou. Elle est là. Elle est couchée dans son panier. Hein, ma chouchou? Voilà, elle est là, ma grise. Hop, alors, ouais, j'ai le petit trépied aujourd'hui. Hop, donc on revient à la toile. Alors, hop, mis au point. Voilà, donc pour trouver une toile avec un chat de ce petit gabarit-là, qui a la morphologie en fait d'un Maine Coon miniature, on va dire, parce qu'elle a du poil sous les pattes, c'est affolant, elle a la gueule un peu carrée, enfin bon. C'est pas du tout un chat de race, mais c'était très 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 compliqué d'aller trouver une toile en broderie qui lui ressemble. Et puis c'est de là qu'il m'a dit, enfin qu'il m'a dit, mon homme m'a dit, bah écoute, si tu peux, fais une personnalisée. Donc bah, j'ai dit, ouais, c'est pas faux. Alors j'avais pas mal de photos de ma mise Soussou, mais oui, parce que souris, on l'appelle Soussou. Mais pas de photos avec un fond derrière qui me plaisait. Voilà. Et puis, vous savez qu'un chat, pour le prendre en photo, faut vraiment être là au bon moment. En fait, j'ai utilisé un site internet, je ne sais plus le nom, je ne sais plus, pour pouvoir juxtaposer deux photos, en fait, pour en faire qu'une. Et bah, je suis très contente du résultat. Alors, hop, prends un petit peu de recul. Donc, Biggest Craft m'a envoyé donc la toile avec un tall kit. Ouh! Là, c'est un petit gras. Donc, dedans, comme d'habitude, hein, le pompon, les 5 aiguilles, l'enfil aiguille et le dé pour protéger les doigts. Voilà, c'est des grosses aiguilles parce que c'est une 11 CT. Les couleurs, la toile. Alors, la photo. Alors, elle est un peu plus claire qu'elle ne l'est normalement, mais bon. Voilà, je saurai toujours, de toute façon, c'est ma soussou. Alors, ma soussou, la voici. Avec un pli en plein milieu de la tronche. Hop, voilà. Donc, en fait,
Ma chouchou, elle a vraiment les yeux jaunes comme ça quand elle est en plein soleil. Je vous l'ai montré, il fait un peu sombre dans la pièce. Mais sinon, ouais, elle a vraiment les yeux jaunes. Hein. Elle n'a pas une cirrhose du foie. Hein. Voilà. Et là, je la trouvais trop, trop belle. Et en fait, l'image qui est derrière, c'est tout simplement. Comment je vais vous dire ça? Là où on habitait avant d'acheter la maison, quand je partais travailler, je passais dans les champs, je passais dans les villages, voilà. Et un jour, un matin, très très tôt, je suis passée devant un champ de blé et il y avait le long de la route plein de coquelicots. Voilà. Le ciel était un petit peu moutonneux et comme j'étais pas du tout en retard, je me suis arrêtée et j'ai fait une photo. Je me souviens quand j'ai commencé à avoir mon compte Facebook, je savais plus y est cette photo et il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit mais dis donc elle vient de quel artiste cette photo et moi j'avais dit mais enfin cette image et moi j'avais dit mais de personne quoi c'est moi j'ai fait une photo en bord de route c'est un champ avec des coquelicots voilà j'avais trouvé cette image trop trop belle donc du coup avec le site que j'ai trouvé j'ai pu juxtaposer dessus ma soussou. Bon, alors évidemment, vous allez me dire, Soussou, elle est vraiment en premier plan par rapport au champ, mais je voulais pas non plus la mettre en miniature, je voulais vraiment la voir. Je suis en train de me rendre compte que en bas de la toile, là, ils m'ont marqué I am sorry. Sorry, ah oui, alors sorry. Sorry. S2ORY, ça veut dire désolé, mais quand on le prononce, on va dire en français, moi ça fait souris. Voilà, souris, souris. Ma chouchou. C'est original, je sais pas si c'est sur la toile, mais bon. Voilà, alors, le diagramme, mais il est parfait. Il est parfait, hein. Il y a pas de reproche à faire. C'est nickel. Je vais prendre un peu d'altitude. Zoup là, on s'envole. Et on fait une mise au point. Voilà. Elle est trop belle. En fait, elle est trop belle. Elle va être super facile à faire. Parce qu'elle est, pour ainsi dire, pas confetti. Hein? Alors, attendez. Hop là, mise au point. Voilà. Voilà, il y a pas beaucoup, il y a combien? Il y a 38 couleurs. Voilà, donc là, il y a des blocs, il y a des blocs, il y a encore des blocs, il y a des blocs, ça débloque, et moi, je vais débloquer. Il y a des blocs, il y a des blocs, il y a des blocs. Et là, on arrive sur Soussou. Voilà, c'est des micro-blocs, voilà. C'est nickel. Ça va être nickel. Hop, mise au point. Voilà. Donc voilà la page. Bon, un papier classique comme on peut avoir d'habitude. Hein, mais le diagramme par rapport à la taille de la toile. Alors c'est une 40 par 50. Donc 191 points par 148. Et je l'avais donc demandé en 11 CT. Alors, je replie ça. Alors, la toile. Alors, la toile, elle est très belle. Elle est surjetée, ça c'est génial. Bon, c'est une toile qui est relativement souple, hein. J'en ai une, celle avec plume d'ailleurs, qui est super rigide, mais celle-là, ça va. Les couleurs, c'est nickel, hein. J'aime bien le truc avec les nuages là-haut, là, ça a vachement bien été repris. Ouais. Après, j'ai juste un petit doute avec la partie coquelicot. Alors, là, la partie jaune, c'est ce qui est à la hauteur de sa joue, là, à peu près. Donc, ouais, ça va être les nuages. Le rouge, c'est ce qui est un peu en dessous. Et mes coquelicots, ils vont être où? Ils vont être où? Ah non, c'est les parties de nuages. D'accord, ok. Les coquelicots, ça va sans mettre tous les points. Ouais, c'est ça. Ça va être tous les points qui sont là. Tous les petits cercles.
Voilà, tous les petits cercles, ça va être tous les coquelicots. Non, ça va, j'ai cru que c'était la bande jaune et la bande rouge. Ah non, elle est bien, hein. Elle est très très bien. Bon, bah évidemment, c'est une grande toile, donc du coup, je vais me retrouver avec 4 toiles en 40 par 50. Voilà. Alors, 38 couleurs. Voilà. Au niveau des symboles, j'espère qu'ils sont pas les uns à côté des autres. J'aime pas quand il y a des tout petits machins comme ça, là, verts. Voilà. Ils sont là, l'un à côté de l'autre. Là, je sais plus sur laquelle toile je suis que je fais. Je sais plus laquelle que c'est. Je crois que c'est celle avec plume. C'est une catastrophe. Ils m'ont mis des symboles en couleurs identiques les uns à côté des autres. Je suis obligée à chaque fois de prendre le diagramme parce que sinon je m'y retrouve pas. Je sais plus avec qui je l'ai eu, plume, mais c'est franchement pas cool, hein. Vous voyez, comme là, quand on a une flèche qui s'en va en bas à gauche et que vous vous retrouvez avec un signe inférieur ou supérieur, je sais plus, et que ça se retrouve l'un à côté de l'autre. Mais là, vous voyez, là j'ai ce petit signe là, mais apparemment, non, ça a l'air d'être bien. Alors, oh, et tu as arrêté de me faire des. Voilà. Mes symboles, ils sont comment là? Loup. Oh, j'ai le téléphone dans les mains, je suis désolée. Ouais, les dessins sont bien. Ce que je vérifie en fait, c'est que là, vous voyez, on prend 4 points, là, et au milieu, il y a le symbole. Ça veut dire que le symbole, il est bien placé. Parce que sinon, quand vous avez un symbole qui se retrouve au niveau des 2 trous, Mysterium et boule de Gollum, je vous souhaite du bonheur pour la broder. Hop, voilà. Ah, bah, elle est bien. Elle est bien. Elle est très bien. Bon, on va regarder les fils. Alors, les fils. Donc, normalement, on a une grande plaquette. Voilà, comme ceci. Mais moi, je l'ai coupée, comme je fais d'habitude. Voilà, déjà pour vous présenter, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, je vais mettre la toile à l'envers derrière, comme ça on verra mieux sur du blanc. Hop, voilà, l'envers de la toile, voilà. Et voici les couleurs. Bon, bah, vous avez vu, hein, par rapport au dessin. On va être sur du gris, du bleu, du vert, du marron, du rouge, du jaune. Voilà, il va y avoir pas mal de jolies couleurs. 38 couleurs en plus, c'est pas mal. Hop. Ensuite, ça, c'est l'autre côté de la réglette. Bah oui, bah là, on arrive sur les gris. Voilà. Les jaunes, les rouges, les verts, les marrons, les beiges, les bleus. Ouais, j'aime bien les couleurs qu'ils ont choisies. Ça va être toute la partie coquelicot, le champ de blé derrière. Alors, le champ de blé, il n'y avait pas très longtemps, hein, qu'il était poussé. Et je crois qu'il y avait aussi des restes de colza dedans. Donc c'est pour ça que c'est vert très pâle. Et il y a donc une deuxième réglette. Là, voilà, j'ai beaucoup coupé parce qu'il y a que 2 fils. Voilà, il y a ces 2 fils là-dessus. Voilà. Alors, par contre, c'est une toile personnalisée. Donc, je ne connais absolument pas le prix pour la réalisation de ce projet. Voilà. Je vous dis, c'est une 40 par 50 en 11 CT. Donc, je n'ai aucune idée du prix que ça peut valoir. Moi, tout ce que je sais, c'est que Biggest Craft, ils m'ont fait un joli cadeau en acceptant de me faire une toile personnalisée parce que au moins là, j'ai mon vrai chat. Ça va être génial. Par contre, je n'ai toujours pas
code de réduction à vous proposer. Voilà, je sais pas s'ils en donnent ou pas, j'en sais rien, mais pour l'instant, j'en ai pas eu. Hein. Pourtant, c'est pas mon premier partenariat avec eux, mais ouais, je sais pas pourquoi. Voilà. Eh ben, écoutez, vous savez quoi? Bah, il reste plus qu'à faire l'organisation des fils. Parce que c'est les réglettes que je sais pas pourquoi, je dois être trop brutus, je les déchire assez facilement. Donc il va falloir que je me fasse une petite organisation avec ça et bah, je vais la commencer directement. Donc en fin de compte, j'ai donc Plume, j'ai Mao en féminin, j'ai Soussou. Et j'ai ma pupusse. Voilà. Et ah oui, bah, puis j'ai mon héros aussi, c'est vrai. Oh, je l'avais oublié, mon gros noir qui est parti aussi, ouais. Ah ouais. Bon, ouais, pas que je fasse tous mes chats non plus, parce que j'en ai eu 10, donc... voilà, on va arrêter là quand même. Hein. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Et j'ai trop hâte de la commencer. Voilà. Et ben, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.